Bonjour, mon nom est Pierre Castanguet. Bienvenue à mon podcast qui s'appelle Au lieu dit Baudru, là où pousse un chêne. « Et te voilà, je t'attendais au vieux Baudru près du Chêne. Assieds-toi. » Je ne peux pas ne pas te parler d'un poète russe, parce que c'est son moi, Sergueï Esenin, qui est né en 1885, qui est mort en 1925, donc un poète qui a connu la révolution russe de 1917, qui a survécu à ça, et qui est devenu, de son vivant, le poète le plus apprécié de sa nation. Un bonhomme qui est mort, il avait à peine trente ans. Et le mois de décembre, c'est son mois. Et la neige, c'est son domaine. Alors Sergueï et Sénine avaient toutes les qualités. C'était intérieurement une belle personne. Il était très attirant pour les autres. C'est devenu le symbole de la Russie moderne de cette époque. C'était un bonhomme qui était physiquement très beau. Il avait des cheveux d'or, dorés, comme des brindilles d'or. Il avait des yeux bleus d'une sincérité, d'une pureté. Il avait un, un doux visage. C'était ce qu'on appellerait modernement un baby face. Et il avait une blonde très célèbre, Isadora Duncan, la séduisante danseuse Isadora Duncan, sensuelle, intelligente, féministe, avant le terme. C'était un bonhomme qui avait une sexualité double. C'était un bonhomme qui était bisexuel. Donc il a connu dans sa vie autant d'amantes que d'amants et c'était un bonhomme qui possédait une personnalité assez complexe merci Sergueï et Sénine je vais commencer par t'en parler en te lisant le début de son roman il a écrit qu'un seul roman quand il avait 18 ans ça a tous les défauts et les qualités du monde ce roman là ça s'appelle la ravine et la ravine c'est un endroit avec un chemin de campagne une isba en bordure d'une forêt, l'hiver, et c'est merveilleusement bien décrit, c'est très sincère, et ça a le défaut et la qualité du jeune âge de l'auteur. C'est-à-dire que Essenine ne ment pas dans ses descriptions et n'épargne aucun de ses personnages. En beauté comme en laideur, ça a des qualités et des défauts. Ce que je vais te lire, c'est un extrait du premier chapitre. Et le traducteur est décédé. Il est décédé le 20 mai 2011. C'était Jacques Imbert. Et j'ai une édition qui s'appelle l'édition Feuilles d'herbe, édition Héros Limité, qui date de 2017. Et c'est bien parce que c'est une édition qui a été faite au bénéfice d'un conventionnement de la République et le canton de Genève. On voulait soutenir l'Office fédéral de la culture à Genève. En même temps, c'est un plaisir de lire dans une édition comme ça, qui est en fait elle-même une œuvre de charité. Alors je te lis quelques pages du premier chapitre de La Ravine. La Ravine, c'est aussi beau que l'enfance de Gorky. C'est le même univers, on baigne dans le même univers à la fois lumineux et sauvage d'une Russie rurale, où les sentiments sont taillés à la hache et au couteau, mais en même temps où l'intelligence exceptionnelle de Sénine nous permet de participer au récit à travers les images. Alors je te lis un extrait du premier chapitre où, pas loin de Lisbonne, dans la forêt, il y a une meute de loups qui hurle. Ça ressemble beaucoup à l'actualité de 2018 pour beaucoup de citoyens dans le monde. Sur les franges du marais tourbeux et moussu, les loups se glissaient. Le meneur brun tendit le museau et fit claquer ses crocs. La horde, silencieuse, avait flairé la proie. Les hurlements sourds et les appels lugubres réveillèrent le pivert à cagnarder au creux d'un pain. Du fourré, deux lièvres renaclant, débuchèrent et s'enfuirent dans un nuage de neige vers la lisière. Un convoi grinçait sur le calicot blanc du chemin. Les sacs à fourrage ballottaient sur les Soudain les chevaux délaissèrent leurs pâture et dressèrent les oreilles entre les mailles des buissons. De petits tisons sinistres s'allumèrent puis disparurent. Les loups. Dit une grande ombre chancelante sous la lune. Oui, répondirent les gorges rouges des tousseurs planqués. Au murmure des aiguilles de pain, se mêlaient les craquements inquiétants d'une fragile couche de glace. Dans l'isba, le garde forestier Van Chuk chantait et buvait. Il demandait à Philippe la main de sa sœur Olympia, et sous le coup de l'alcool, il faisait étalage de sa richesse. Sur une table de planches brute, le torboyau pétillait dans une carafe à facettes. À chaque verre, Philippe pressait sur ses narines un morceau de pain, le humait et l'engloutissait sous la toison épaisse comme de la mousse couvrant ses mâchoires. À l'entrée, le chien aboya, des patins crissèrent sur la piste glacée, peut-être bien des voleurs de bois. Philippe décrocha son fusil, ouvrit la porte violemment et enfonça jusqu'aux oreilles sa chapka en cuir d'élan. Le vent gifla ses joues Inondé de sueur, la clanche arrachée ricocha sur la porte et heurta les pitons de la serrure. Qui va là murmura-t-il de sa voix éraillée. On charrie de l'avoine, répondit-on du côté des voitures. Ah bon Un vieux barbu courut vers l'entrée givrée de Lisba et de son gros knout montra le chemin. Dans un fourré, t il tout en rattrapant son cheval gris. Philippe sortit et se coucha dans la tourmente poudreuse, une oreille collée au chemin. Un dépôt dufteux comme de l'ouate s'y glissait. Les vlas « Les Son fusil cliqueta contre une ornière, et il se précipita dans l'isba sans fermer la porte. Vanchouk ronflait sur son verre vide. Du jus de concombre au sel goûtait sur le plancher et grossissait le filet de lait, échappé de la cruche. Hé, hey, Fana. Philippe le tira par son paletot de casimir. Les loups sont là pour ta noce. Il <laughs> n'y aura point de noce, marmonna Vanchuk. Pas de dot, pas de noce. Philippe se pria à rire, puis sortit de derrière le poêle, son vieux fusil berdant, à un coup, et prépara la poudre. Les loups, je te dis. À la ravine. De quoi? fit l'autre, s'étirant sur le banc moitié endormi son ronflement troublait la flamme qui veillait sur les icônes. Philippe jeta sa pelisse sur ses épaules, mit la poire à poudre à la ceinture et les dans sa poche. Choucan. Choucan. Il appela le chien pelotonné sous l'entrée et décrocha la chaîne du linteau. L'animal, qui avait reniflé l'odeur de la poudre, sautait dans ses jambes et fritillait de la queue. Il ouvrit la porte, et ses chaudes bottes de feutre soulevèrent une poussière de neige. Tchoukan mordillait son collier, grognait et donna des coups de griffe sur le seau planté dans le passage. Philippe tourna vers les chablis et se cacha dans un trou entre les racines d'un pin abattu. Dans un froissement d'herbe, le robuste meneur traversa la prairie du côté des chablis. Les branches craquèrent et de rondes de plumes voltigèrent dans la lueur nébuleuse de la lune. Le chien du fusil percuta la poudre de salpêtre. Le loup et ses louve du printemps, furent happés en l'air dans une trompe de fumée. Ah C'est quelque chose que ce récit de Russie ancienne, c'est quelque chose d'entendre ce roman qui est peu souvent lu. Ils vont me dire, euh, coup de pierre, ce roman n'a rien d'exceptionnel. C'est un roman descriptif qui parle des mœurs d'une certaine époque. C'est tout à fait vrai, mais ça prend une dimension particulière quand on sait que le roman décennine. Et j'adore, j'adore cette ambiance de Russie ancienne. Alors, nous allons passer maintenant de la lecture de ce roman à celui de quelques poèmes dans un recueil qui s'appelle La confession d'un voyou. Je te ménage parce que je n'ai pas pris des poèmes dans le dernier recueil de Essénine, puisque ce dernier recueil est celui qui précède son suicide. On n'est pas certain qu'il s'est suicidé. En tout cas, les conditions sont assez nébuleuses alors écoute bien la confession d'un voyou tout le monde ne peut chanter et il n'est pas donné à chacun de tomber comme une pomme au pied des autres. C'est ici la suprême confession d'un voyou je me promène exprès échevelé la tête comme une lampe à pétrole sur les épaules il me plaît d'éclairer dans la nuit l'automne dépouillé de vos âmes. Il me plaît que les pierres des insultes tombent sur moi comme la grêle d'un orage vomissant. Je serre alors plus fort avec mes mains la vessie inclinée de mes cheveux. J'aime me souvenir alors d'un étang couvert de mousse, des sons enroués de l'aune et que j'ai quelque part père et mère. Qui se fichent de tous mes vers et qui m'aiment, comme leur chant, leur chair. Comme une petite pluie qui amollit au printemps les jeunes blés. Ils vous piqueraient avec leur fourche pour chaque injure que vous me jetteriez. Pauvre, pauvre paysan, sans doute vous vous êtes enlaidis, vous craignez toujours Dieu et les marécages. Oh, si vous pouviez comprendre que votre fils est aujourd'hui le meilleur poète de Russie. Votre cœur se couvrait de givre. Quand trempait ses pieds nus dans les flaques de l'automne, et maintenant il se promène, en chapeau, haute forme, et en souliers vernis. Mais en lui demeure la fougue. D'une vieille souche de voyous villageois, pour chaque vache, à l'enseigne des boucheries, il tire son chapeau. Et s'il rencontre un cocher sur la place, s'il se souvient de l'odeur du fumier natal, il est prêt à porter la queue de chaque cheval comme une traîne de mariée. <laughs> J'aime ma terre, je l'aime immensément, bien qu'elle ait la tristesse des saules rouillés. La gueule immonde des porcs me plaît, la voix sonore des crapauds dans la tranquillité nocturne. Je suis malade de souvenirs d'enfance. Je rêve de l'humidité des soirs d'avril. On dirait que notre érable s'accroupit pour se chauffer au brasier de l'aube. Combien de nids de corbeaux ai-je volé en grimpant ses branches? Est-il toujours le même, la cime verdoyante, l'écorce aussi solide. Et toi, chien bien-aimé, tu es devenu aveugle de vieillesse, et grognon traînant la queue dans la cour ne tout souvenant plus ni du seuil ni de l'étable. Oh. comme elles me sont chères, mes espiègleries. Lorsque je volais à ma mère une croûte de pain, et que nous y mordions chacun à notre tour, moi, je n'ai pas changé. J'ai toujours le même cœur. Comme les bleuets des blés fleurissent mes yeux, je veux vous dire quelque chose de doux en étalant la natte dorée de mes vers. Bonne nuit à vous tous, bonne nuit, dans les prix du crépuscule. La faux a fini de sonner aujourd'hui, il me prend une envie de pisser par la fenêtre sur la lune. La lumière est si bleue. Dans un tel bleu on mourrait sans regret, et qu'importe si j'ai l'air d'un cynique portant une lanterne accrochée au derrière, Vieux et bon Pégase harassé, je n'ai que faire de ton trop mou. Je suis venu comme un maître sévère chanter et glorifier les rats. Ma tête est comme loup, elle coule par le vin de mes cheveux écumeux. Je veux être une voile jaune tournée vers ce pays où nous nous dirigeons. Alors quel beau poème! Et je t'en lis un autre. Voilà. Tout ce qui vit avec un signe particulier est marqué très tôt. Si je n'étais pas hêtre, je serais bandit ou voleur, maigre et petit, toujours héros parmi les gamins. Souvent, souvent je revenais à la maison le nez cassé, à la rencontre de ma mère effrayée, je marmonnais la bouche ensanglantée. Ce n'est rien. Je me suis heurté à une pierre. Il n'y paraîtra plus demain. Et maintenant que s'est refroidi le bouillonnement de ce jour, une force inquiète et hardie s'est répandue dans mes poèmes. Les mots se groupent en monceaux d'or. Et sans fin, dans chaque vers, se reflète l'ancienne audace du casse-cou et du polisson. Comme alors, je suis hardi et fier. Seule ma démarche est nouvelle. Si autrefois on me cassait la gueule, aujourd'hui, j'ai l'âme en sang. Maintenant, je ne dis plus à ma mère, mais à la foule étrangère et railleuse. Ce n'est rien. Je me suis heurté une pierre. Il n'y paraîtra plus demain. Cela termine cette toute petite incursion que je viens de faire avec toi dans l'univers de Sergaï et Sénine. On constate. Le même plaisir chez le poète que l'on voit chez le québécois Saint-Denis Garneau quand il parle des mots comme étant issus de sa boîte à jouets pour faire des enlacements, des combinaisons merveilleuses. Sergei Sénine s'est amusé à décrire sa patrie. Et aussi son paysage intérieur. C'est à la fois un homme d'émerveillement, un homme d'attachement à ses racines paysannes, mais c'est aussi un homme de souffrance. Il le dit, il était molesté à l'école en tant que gamin. Et probablement par la critique de son époque, quoiqu'il ait été beaucoup encensé, il a. Ressenti cette maltraitance sociétale. Et il y avait, chez cet être assez complexe, un mal de vivre évident. J'espère que ce petit voyage à travers les textes de poésie décennine te donne le goût à la fois de lire. Le recueil de poèmes, c'est-à-dire La confession d'un voyou, et aussi, bien évidemment, son roman La Ravine. Merci de m'avoir visité aujourd'hui, au lieu-dit Baudru, tout près du chêne. Eh oui, il a perdu ses feuilles, le chêne, parce que c'est l'hiver. Mais la vie est toute prête en dedans pour bourgeonner et sortir au printemps prochain. Alors moi, je te dis au prochain podcast. Salut.